Señores Claude François con sus Claudettes. Decía al comienzo del programa que Claude François ha sido noticia en los últimos días por ser ametrallado con 11 balazos de ametralladora su coche. El hombre ahí está, ileso. No se puede decir precisamente que fuera de los discos y de la música tenga Claude François mucha suerte. Hace un par de años aproximadamente explotó una bomba precisamente en el hotel en que se hospedaba durante uno de sus viajes a Londres. El hombre sufrió sus más o menos heridas y aquí está. Y ahora repito, balaceado, que dicen los telefilmes, por 11 balazos. Por, dicen también, la mafia parisina. ¿Cómo está ahora Claude François? Ça va, très bien, merci. ¿Lo parece? Bienvenido a España. Ne parle une seconde parce que je t'ai lu un petit papier. Ah, tiene un papel. Bueno. Espero que no sea una factura, nada más llegar a España. Alors. Alors. Perdón por no hablar español, pero estoy muy contento de estar esta noche con las mujeres más bonitas del país y con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso es todo. Eso es todo, pero es suficiente, señoras y señores. Llegó en su avión particular hace un ratito y se vuelve ahora nada más a acabar el programa. Y ahora mismo va a cantar una canción preciosa que él mismo escribió hace algún tiempo, El teléfono llora. ¿Saben ustedes que Claude François es un excelente compositor? Por ejemplo, él escribió un día en París aquella canción que ha sido éxito en todo el mundo, My Way, a mi manera, que cantaban, no sé, Frank Sinatra y mil cantantes más. Él cantó también esa canción y él canta ahora El teléfono llora. Habrá que imaginarse naturalmente esa niña que le pregunta a Claude François esas cosas que le pregunta en la canción. Claude François, cuando quieras, adelante. ¿Aló? Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire maman, c'est quelqu'un pour toi. Dis-lui, je t'en prie, dis-lui, c'est important, mais il attend. Tu lui as fait quelque chose à ma maman? Elle me fait toujours des grands signes et elle me dit toujours pas, peut-être que je suis pas là. Raconte-moi comment est ta maison, apprends-tu bien chaque soir toutes tes leçons? Il n'y a qu'une signature sur mon carnet. Les autres sont de leur papa, pas moi. Et lui que j'ai mal, si mal depuis 6 ans. Et c'est ton âge, mon enfant. Ah non, moi j'ai 5 ans. Mais dis, tu la connaissais ma maman avant? Pourtant elle m'a jamais parlé de toi. Tu restes là, hein? Le téléphone ne pleure quand elle ne vient pas, quand je l'écris, je t'aime, les mots se meurent dans les gouttes vides. Le téléphone ne pleure, non, ne raccroche pas, je suis si près de toi. Avec la voix, seras-tu aux prochaines vacances à l'hôtel Beau Rivage? Aimes-tu la plage? Oui, j'adore me baigner. Maintenant, je sais nager. Mais dis donc, comment tu connais l'hôtel Beau Rivage? T'y as-tu, toi, Sainte-Martine? Dis-lui toute ma peine. Combien toutes les deux, moi, je vous aime. Je vous aime, mais je t'ai jamais vu, moi. Mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as changé de voix? Mais tu pleures, pourquoi? Le téléphone pleure quand elle ne vient pas, quand je lui crie, je t'aime. Les mots se meurent dans l'écouteur. Oui, le téléphone pleure, ne me crache pas, je suis
si près de toi, avec la voix, oh dis, écoute-moi, oui, le téléphone pleure pour la dernière fois, car je serai demain au fond d'un train. Retiens-la, mais elle s'en va. Allons, insiste. Elle est partie. Si elle est partie, alors tant pis. Au revoir, monsieur. Au revoir, petite.